Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de Kama par la FM. Vous l'avez vu la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode. J'avais pas le temps au moment où je me suis dit il faudrait peut-être que je commence à rec pour faire ce que je voulais faire. Aujourd'hui, objectif, ça sera de up niveau 100 nos petits métiers pour, comme je vous disais, passer un cap et commencer à faire des FM un peu plus intéressantes. L'idée d'FM des petits items, on a vu que ça marchait. Et d'ailleurs, vous avez vu, je me suis encore fait. En fait, je fais entrer pour faire autre chose et ça me connecte puisque je suis sur l'écran de connexion. Du coup, eh bien, on a vendu pour 2 millions. 5, on va check l'HDV ensemble. Mais voilà, on a vendu une très très grosse partie. Alors voilà, hein, ça fait 2 semaines que je suis pas passé sur Rage, donc on a eu le temps, hein, voilà, de voir un peu nos items partir. Mais regardez un petit peu tout ça, ça paraît peut-être un peu ouf de voir par exemple des gelotures se vendre à 120 000 kama. Encore une fois, bon, je vais pas insister 3 milliards d'années, mais encore une fois, regardez la gelotures, qu'est-ce qu'elle coûte à craft, même pas 15 000 et on la revend avec quelques kamas pour la FM à 123 000. Et ça, c'est le cas pour quasiment, voilà, enfin, vous voyez la liste d'items qui est d'ailleurs très diverse. Hein, c'est pas un item style Captofufu que je spam et qui marche très bien. Là, c'est vraiment KBR, Chapoa Kodala, Kapoa Beat. Regardez la Kapoa Beat qu'on a fait un très gros jet la dernière fois à 250 000. À Caraca, on vend des items Scara. Enfin, on vend des trucs très sympas. Regardons un petit peu l'HDV. Qu'est-ce qu'il me reste d'ailleurs? Ah, voilà, il me reste quand même pas mal de choses. Hein, donc, que je vais pas fixer. Je vais laisser encore tranquillou en HDV. Il reste, bah, il reste 1 heure, donc ça c'est les premiers items qu'on avait fait ensemble. Pas de soucis, on va laisser ça, on va pas s'embêter, on va chercher nos kamas. Et comme je vous dis, aujourd'hui, objectif, up nos métiers niveau 100. Alors du coup, on arrive à 2 millions 5 en plus, donc on est à 5 millions 6 quasiment. Ça reste pas trop mal. Et puis du côté des métiers, pour faire le petit point, ouais, on était déjà niveau 70 au niveau des métiers de craft. Donc voilà, on va tranquillement reach le niveau 100, peut-être en passant encore un petit peu par le brisage. Mais il faudra quand même que je fasse un peu d'FM pour que les métiers d'FM suivent, même si bon, la montée, le métier d'FM est quand même bien plus rapide que le métier de craft. Voili, voilou. Donc là, voilà, je vais continuer à crafter. Vous avez compris l'idée. De Geta Fedala, par exemple, je ferai un peu d'FM dessus, etc. On va faire du brisage. Donc ça va me prendre un petit peu de temps. Je prépare la liste des crafts. On up tout ça. Et puis on commence à s'occuper. Enfin, on commence à faire des FM un peu plus haut niveau. Qui pourront être un peu plus sympa à regarder, par exemple. Alors, j'ai acheté pas mal de petites choses. De quoi up jusqu'à peu près niveau, j'irai 90. Je suis déjà full pot. J'ai dépensé 900 000 kama, vous voyez, à peu près. Donc je vais crafter tout ça et je pense que je continuerai de faire les crafts de mon côté. On s'occupera ensemble de la FM un petit peu après. Je vous montrerai tout ça. On a pas mal là sur le cordeau. Je me suis fait plaisir de prendre pas mal d'items à PUPM. Voilà, pas mal de bots tout simplement que j'ai fait par 5, voire par 10. Vous allez voir, ça me permettra d'expasser simplement mon petit cœur dommage. Donc là, regardez, 10 d'un coup bot de l'éleveur du Bouftou. De Bouftou d'ailleurs, Orino, pareil. Ensuite, on a quelques Geta Terdala. Normalement, comme je vous dis, hein, voilà, j'ai pris aussi une blob de royal par type de blob là. 5 puissantes ceintures fulgu. On devrait s'approcher du niveau 90. Il y a ça aussi que j'ai pris surtout pour du brisage, je pense. Voilà, 90. Donc je vais finir ça tranquillement de mon côté. Je craft en masse, ça prend du temps. Et comme je vous dis, on fera la FM après. Je vais faire ça également directement pour le tailleur et le bijou juste après. Voilà. Ouais, bon, en fait, malgré que là je vais encore utiliser mes ressources et que du coup je vais redescendre en potes, j'ai quand même beaucoup d'items et des ressources en trop, donc ça fait que j'ai beaucoup de potes. Je vais tranquillement déjà m'occuper du cordonnier finalement. Petite pause FM dans tous ces crafts là. On devrait être 100 là, voilà, sans souci. Voilà, j'ai même 3 petits succès, très bien, Jeannou. On a 3 bots précieuses en plus qui vont nous faire reach le petit niveau 102, c'est pas mal. J'ai 3 millions 6 de Kama, donc j'ai quand même dépensé un bon 1 900 000, mais je peux vous assurer que avec tous ces items, on est vraiment pas trop mal. Je vais faire. Voilà, donc on en aura, enfin je vais pas forcément toutes les faire, hein, une ou deux max par item, et puis ça nous servira pour rembourser tranquillement ça en HDV, et puis le reste ça partira au brisage tranquillou, vous connaissez, comme on l'a fait la dernière fois. Allez, un petit 165 vita pour la première tentative sur les bots qui passent pas. Là j'aurais dû mettre une orbe, hein, ça aurait été un peu moins cher que notre ami la GAPM, c'est pas grave. Donc là regardez ce que je fais, vu que c'est un peu chiant, on a de la vita, la chance et même l'invo qui saute beaucoup plus souvent que le PM. Voilà, c'est bien. Du coup, en fait, ce que je fais, c'est que je la laisse et en fait, je la repasse. Et très souvent, voilà, ça crie. Donc, en fait, vous pouvez vous permettre de faire un peu ça. On va aller chercher le perf chance. Voilà, c'est pas très dur. On est à 5. On a donc tranquillement 85 depuis en rune vie à mettre. Donc, c'est parti. On va rechercher un bel over. On se fait la petite FM ensemble. Est-ce qu'on va faire mieux que le 165 qu'on avait eu? Allez, 160 au moins, voilà, c'est fait. Sur un crit en plus, 175, 1590. Le 200 peut-être? Non, c'est encore mieux du coup, ça passe, c'est très très bien. Et ça ne veut pas. Allez, petit échec et maintenant succès. Ah, pas de problème.
Je cherche énorme hein, cette fois-ci, autant de faire les petites économies. Les petites 10 000 Kama, il faut pas hésiter à les économiser les gars. Alors je me suis pas fail hein, c'est faux les amis, vous n'avez absolument rien vu. Et là sur ce jet dégueulasse, 123, mais 100% que ça passe. Voilà, 100%. Ah, bon, 73. Est-ce que ça me permet de faire quelque chose d'intéressant de plus? Oui, les bottes Torino. On va passer, on va y passer, hein. C'est bon, les bottes d'éleveur Bouftou là, plus. On va quand même là-dessus chercher le perf. Le perf, entre guillemets, hein. C'est vraiment ces données, quoi. 2%, c'est très facile à aller chercher. 10 puissance, 10 sagesse. Puis évidemment, les 25 force aussi. Voilà, avec le petit over, il va me falloir des runes que je vais chercher tout de suite. Bien, c'est le 195 Vita. Cette fois-ci, quoi qu'il arrive. Si elle passe pas, je passe au Blob Coco, Blob Renette, etc. Blot Royal, quoi. On aura aussi des puissantes ceintures Fulgus. Je suis déjà niveau 80. Donc, l'idée, moi, c'est vraiment de up maintenant, là, tout de suite. Bon, il faudrait quand même que je rembourse aussi tout ce que j'ai dépensé. Donc, il faut que j'ai FM, forcément. Mais voilà, là, j'ai déjà des choses assez intéressantes à FM. Tout ça, ça partira au brisage. Les bots, peut-être pas, on en fera une et tout. On va essayer tout ça. Et donc, voilà, là, quoi qu'il arrive, c'est bon. On en a vu assez. Mais je pense que dans tous les cas, là ça va succès crit. Il n'y a aucun souci. Non. Bah non, toujours pas du coup. Bah c'est pas grave, on va quand même passer au Blob to Royal, voilà. Je vais peut-être en garder une, je verrai plus tard pour la FM, mais là ça va absolument pas, donc on passe, on continue le up de notre petit métier de corps dommage. 176 Vita pour notre première tenta sur les cocos, et oui, voilà, un peu de chance quand même, un peu de repassage en un coup, c'est cool. J'ai plus de rune PO, d'ailleurs là j'avais eu le puits sur le PO qui avait sauté le PM, donc très très bien. Là on va voir si, encore une fois, ça va aller assez vite, et si ça veut bien passer directement, ça serait cool. Allez, Dofus, voilà. Bon, je vais enchaîner un petit peu plus vite. Je vous ai montré déjà pas mal d'échecs et de tentatives là. Donc on va, enfin je vais faire les indigos, une petite ceinture, les rainettes aussi bien sûr, et je vais essayer, comme je vous ai dit, une petite précieuse et animale pareil. Et j'enchaînerai assez vite sur le joyeux mage, parce que là ça fait déjà pas mal de temps de règles. Donc voilà, j'accélère un petit peu tout ça. Voilà pour les blobs d'indigo, je vous montre vite fait le jet quand même. J'ai passé ça en 2-3 tentats, je sais plus. Voilà, bon c'était pas hyper rentable encore. Et puis du côté des rainettes, c'est parti. Toujours en spammant les petites pafos. Est-ce que la première tenta sur les blobs de rainettes, ça vous réfructueux, sachant que là on a en plus 195 de vita. Oui, oui, nickel ça. Bah voilà, ça c'est rentable. Ça c'est de la FM rentable qu'on adore. Et voilà, comme je vous dis, on se fait, je suis déjà niveau 94. Donc là c'est niveau 80 la ceinture fulgue. Mais je m'en fais quand même une, parce que c'est quand même pas trop mal comme item. On va quand même mettre les 5 dos hein. C'est ce qui va faire que le PA va plus ou moins bien repasser derrière les 5 dos. Mais bon, on va quand même essayer de le laisser. Je vais faire les petites passas et on est parti. Yes, enfin j'ai ma petite ceinture. J'ai fait à peu près un petit 4-5 tentats. Ça passe pas trop bien avec le 5 dos comme je vous disais. Donc c'est déjà bien. On est content, je suis niveau 96. Il nous reste maintenant à FM éventuellement des bottes animales et des bottes précieuses. On va essayer les bottes animales directement. Nice, je valide un bon petit jet sur les bottes animales, sachant que j'ai fait 4-5 tentats encore une fois. Donc cool, 195 d'overvita. C'est le plus beau jet que j'avais chopé, en plus avec le 45 intel, 30 sagesse. Très joli, on continue, on finit même sur les bottes précieuses et très vite je l'espère. On a pas mal de lignes cette fois-ci, donc il faudra que je reprenne des petits dos hauts. Je vais même mettre la fuite et tout, hein. Comme je vous dis, les lignes sont tellement basses que ça prend vraiment pas grand chose à rajouter. Donc on peut se faire plaisir de perf le jet comme ça. Ouais, bonjour. Je fais un exo invo, sans faire exprès. Du coup, bah... pourquoi pas, hein. Je pense qu'il va sauter, mais je vais remettre le dos. What? Attendez, là il peut se passer un truc très très drôle. C'est à dire que on a tout un puits PM, plus éventuellement un puits invo qui va se passer derrière. Voire peut-être que l'invo va pas sauter sur nos runes pas vie. Donc là on a 88 depuis, 88. Bah écoutez, let's go, on va voir si l'invo va sauter ou pas. Ça va être marrant à suivre ça. Si elle peut rester, qu'on fait en over mais énorme, et que le PM passe, c'est vraiment énorme. Ça pourrait être très marrant comme move. Donc nous sommes, enfin on a un petit crit que je garde de côté. Ça serait vraiment cool que l'invo reste. Ah bah non, elle reste pas de problème. Donc on a, là j'en ai utilisé une. Donc on a 28 de puits en plus, est-ce que je peux les add comme ça? Boum, voilà, bon. Bah écoutez, ça nous fait du puits pour l'over, hein, pas de problème hein. On va pas aller beaucoup plus loin avec les vies, on va passer au pavis directement. Et on a du coup 32 runes pavis sur ce jet, c'est vraiment pas mal. Bon, bien évidemment, c'est pas, voilà, le truc que je vous conseille non plus d'aller chercher à chaque fois. Mais pourquoi pas, vous voyez, on profite d'un puits invo. Alors voilà, c'est vraiment dur de passer nos amis les pavis à partir de 230. Oh, et en plus je me suis fail, j'ai à moi. Ok, le dos qui crit, ouf. Ce serait bien que le PM passe, parce que là ça fait pas mal de tentats déjà. Ça ne passe pas. Vous savez quoi? Ni...
on va directement tout briser, ça m'a saoulé les gars. Donc voilà, tant pis, pas de bottes précieuses à valider. On va focus PM pour toutes nos petites bottes, c'est pas grave, hein, c'est bon, on a validé quelques G. Globalement j'ai pas de chance, ça fait déjà 1h30 que je suis sur ça, je vous avoue que ça me saoule un petit peu sur des systèmes assez bas niveau comme ça. Donc on y va, on génère quand même pas mal de runes PM, vous voyez que les bottes précieuses nous font du bien là en termes de gamma, pas mal. 139 000 ça coûte combien ça? Ouais bon, globalement c'est quand même pas mal rentable, donc pourquoi pas. Ensuite donc je vais tout briser, hein. Tout ça les gagner, on va faire un petit focus, non pas de focus, allez on y va, YOLO. On rembourse un petit peu nos kamas de craft avec ces runes là, 420 000, c'est pas trop mal je pense. Ceinture sans gros coup, sur lesquels on va aller chercher un petit focus repéro là dessus, hop. Voilà, quelques runes. Les ceintures, alors je brise pas celles que j'ai déjà FM de préférence. Quelques GPA de gratter je pense. Voilà, 4, c'est pas mal. Et puis les bottes de lever de Bouffetou que je vous conseille, hein. Enfin je vous conseille pas vraiment de faire ça. Je conseille plutôt d'aller viser un peu plus à FM. Et vous voyez que moi j'ai passé quand même beaucoup de temps. J'ai perdu pas mal de gamma. Donc là actuellement j'ai la flemme. Ah les guettateurs d'allage, j'en ai pas FM par contre. C'est pas grave, tant pis. Hop, on continue de faire des runes. Voilà, coiffe assez mimi en vrai, hein. Je pense qu'on est pas mal rentable sur ces brisages là. Et il nous reste les Botorino qu'on n'avait pas réussi à faire. On avait un petit peu rage kit, on va pas se cacher. Nous avait un peu saoulé, pas grave. Hop, encore quelques NPM. Voilà, bon, on est tombé à 1,5 million. On a pris assez cher, j'ai 3,9 million de Kama de runes à peu près, 74 pardon, GPM. Donc pourquoi pas. Je vais mettre ça en vente et puis petite pause pour moi. Je m'occupe juste après du joyeux mage. Et re tout le monde, on se retrouve à l'HDV des équipements. Alors finalement changement de programme, je suis désolé. Il y a déjà sur ces 11 minutes, il y a 1h30 de rec, donc c'est quand même assez long à faire de rien que hub de cordonnier. On a fait que 30 levels en soi, hein, mais comme je vous dis, voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur certains items qui ont fait galère, etc. Et voilà, le tout donne 11 minutes de vidéo. Si je veux faire de la même façon pour le bijoutier et le joyau du coup, et même le cordeau, le tailleur et le costume un peu plus tard, bah, ça va être un peu compliqué. Donc moi ce que je vous propose, je suis désolé que ça fait un peu genre bah t'as fait un peu la moitié du boulot là seulement, mais ce que je vous propose, je vous fais voter, n'hésitez pas dans le petit i, vous avez le choix entre... Est-ce que je continue tout seul de mon côté à appeler métier ou est-ce que je le fais pour l'épisode suivant? Dites-moi, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on accélère vraiment le rythme de la série, n'hésitez pas à me dire, moi ça me gêne pas de le faire tout seul de mon côté, je vous laisse me dire ça. Et puis on va faire un petit bilan du coup sur ce qu'on a fait, donc j'ai ces items là que je vais vendre, on est tombé à 1,5 million, j'étais en train de me dire quand même, j'ai bien descendu. J'ai donc toujours 4 millions là, donc principalement de runes bien sûr, hein. Donc on a, voilà, pour 3,7 millions, je pense que je vais vendre des runes parce que là je vais manquer de cash forcément. On a notamment beaucoup de GPM, voilà, le reste, ouais bon, je pourrais les garder je pense, mais surtout vendre des GPM pour récupérer un peu de cash et pouvoir continuer à faire le costu derrière et le joyau du coup. Donc voilà, je vais mettre tout ça en vente, n'hésitez pas à me dire un peu tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à liker aussi pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau de la série. Je sais que j'ai un peu de mal avec cette série parce que c'est forcément toujours un peu répétitif, donc n'hésitez pas à me dire, je suis désolé si j'espère que ça vous va quand même quoi, voilà, c'est pas évident, sachez que c'est pas évident, donc je vais mettre tout ça en vente et je vous tiens au courant. Là j'ai vendu d'ailleurs en un jour un petit item en plus, j'en ai vendu un autre à 100 000 km, je sais plus lequel. Donc voilà, les tongback, les bottes sans PPM, vous voyez que ça peut quand même partir, donc faut pas hésiter à spammer les HDV de tous les items possibles quoi, vraiment. Allez, je regarde un petit peu les prix et je vous montre. Alors croyez-moi ou pas, mais je vais être correct en mettant 330 000 chaque type de blob. Là on a donc, d'ailleurs là par exemple sur les Rainage, je mets même prix que les autres, mais j'ai quand même 195 d'over. Voilà, 330 000 c'est déjà pas mal, ça va nous permettre de refaire un bonbon au niveau des kamas. Ça fait déjà 1,2 million pour les 4 blobs, c'est pas mal du tout. Je continue avec les autres items. 300 000 pour les bottes animales. Un peu décevant du côté de la puissante ceinture Fulgus, 155 000, c'est vraiment peu, hein, parce que là on a passé des gapers, on a passé plusieurs à 30-40 000 KU, donc là c'est vraiment pas ouf. Et du côté des bottes de l'éleveur de Bouffetou qui nous avait bien fait galérer, on avait fini par sortir un jet vraiment pas ouf, la petite over, on regarde ensemble, allez. Là il y a des anciens jets d'ailleurs où il y avait de la sagesse, il n'y a pas de nouveau apparemment, au-dessus, enfin en dessous on verra pas forcément mieux, il y avait deux, d'accord, avant il y avait deux invos, il y avait... Si, il y avait de la chance avant, pourtant après il a pas mis la chance là. Ok, donc là ouais je pense qu'on va pouvoir viser, vous voyez, on a 123, c'est vraiment pas ouf là. Avant le G là franchement il est mieux quoi. Donc là malheureusement pas ouf non plus, je vais pas viser beaucoup plus que 150 000 pareil que la ceinture Fulgu tout simplement. Donc voilà, on s'en sort quand même avec, alors aucune idée, 1,2 million, 1,5 million, 1,6 million, allez 1,8 million on va dire avec les deux. Voilà, 1,8 million plus toutes les runes qu'on a récupérées. Je sais pas trop où est-ce qu'on se situe au niveau du bénéfice sur cet épisode là. Mais ce qui est sûr c'est qu'on a bien monté, on se...
fera, je l'espère, plus de bénéfices avec la FM la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à voter dans le petit en haut à droite là que vous avez à ce niveau là. Vous n'avez qu'à me dire est-ce que je monte les métiers de mon côté ou est-ce que je continuerai comme ça. Je pense que à la limite je pourrais même essayer de faire un peu plus d'épisodes un peu plus souvent. Là, genre, parce que là voilà, je passe une heure et demie, je fais pareil avec le bijou, le costume, puis on est bon. Voilà, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à liker encore. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ça sera mercredi ou jeudi peut-être si j'ai un peu de retard, je pense, je suis désolé. Là encore, oh bah, regardez, GG. Voilà, merci à tous, ciao tout le monde.